J'étais bien là, je savais que c'était la bonne et tu m'as coupé. Excuse-moi. Alors les produits Inemotion sont distribués un peu partout. N'hésitez pas donc à vous rapprocher de votre revendeur habituel ou sinon en ligne chez les différents accessoiristes moto. Aujourd'hui, vous pouvez trouver la technologie Inemotion chez différentes marques partenaires, Furigan, Ixon, Climb, RST, Eld, Tucano Urbano. Il n'y a plus qu'à, faites votre choix. Peu importe le produit que vous choisissez, la technologie Inemotion reste la même. La performance de détection et les zones de protection sont identiques. Pour autant, chaque marque a interprété la technologie Inemotion à son goût. C'est pour ça qu'on a des gilets, des blousons et des combinaisons. Donc ben, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Si vous souhaitez utiliser votre airbag sur circuit, c'est possible tout simplement en activant le mode piste. C'est un mode de détection adapté aux contraintes sur circuit, parce que la conduite sur route et le pilotage sur circuit sont très différents. Il a donc fallu adapter le mode de détection pour offrir une protection vraiment adaptée à l'environnement. L'airbag est obligatoire en MotoGP depuis 2018 et nous équipons aujourd'hui de nombreux pilotes en Moto2, Moto3 et MotoGP, des pilotes comme par exemple Johan Zarco. Si comme moi vous êtes amateur d'off-road, que ce soit en trail ou en enduro, vous pouvez switcher en mode adventure. Ce mode il découle directement de notre expérience en rallye raid, notamment au Dakar, où il a été porté par les plus grands mais aussi par les amateurs. Donc pour citer que Xavier de Soultrait par exemple ou l'équipe de Sherco Factory qui ont approuvé tout à fait ce mode en usage off-road. Donc si vous aimez jouer dans la boue, faites comme moi, passez en mode adventure. Alors l'avantage de la Inenbox, c'est qu'elle est amovible, donc si vous avez deux produits, comme par exemple un gilet et une combinaison, vous pouvez switcher votre Inenbox de l'un à l'autre.